La ville syrienne d'Afrin est la cible depuis près de 8 semaines d'une offensive turque. Ankara veut chasser de la région les combattants de la force kurde des unités de protection du peuple de Syrie, les YPG, une milice qu'elle considère comme terroriste, mais qui est soutenue par Washington. Aujourd'hui, l'armée turque annonce avoir achevé l'encerclement de la ville d'Afrin, principal objectif de l'offensive qu'elle a lancée le 20 janvier. Après une progression laborieuse, c'est dire la résistance d'ailleurs des miliciens, les militaires turcs et leurs alliés ont pris ces derniers jours plusieurs localités proches d'Afrin. Ils sont désormais à portée du centre-ville. Yanis a rencontré hier le représentant extérieur de la Coordination démocratique des Kurdes de France, Agit Polat. On l'écoute. Aujourd'hui, le danger est encore beaucoup plus grave puisque l'armée turque s'est rapprochée du centre-ville d'Afrin. Ils sont plus qu'à 1 km du centre-ville et ils veulent couper la route qui se trouve entre Afrin et Alep pour essayer de couper l'éventuel renfort qui peut arriver des autres régions du nord de la Syrie, c'est-à-dire les renforts kurdes des FDS. On est en contact direct avec des Kurdes là-bas, des civils, des camarades, des combattants. Jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a eu 256 civils qui ont été tués par l'armée turque, par les bombardements de l'armée turque et de leurs alliés djihadistes, et aussi 637 autres qui ont été blessés par ces bombardements. Nous attendons, bien entendu, des pas concrets de la part de la France, de la part de l'Union européenne, de la part de l'ONU, puisque la France a un rôle important vis-à-vis de la Syrie, mais l'ONU aussi a un rôle important, a un rôle majeur pour faire cesser ces opérations, pour faire cesser ces bombardements, pour faire cesser ces massacres de civils. Enfin, sachez que nous reviendrons demain longuement sur la situation avec Yagbun Eksen, le représentant de la Coordination démocratique des Kurdes de France, et Olivier Piau, journaliste à Orient 21.